moyennement fan. Juste fais très 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 attention. Attends, où le TD? Moyennement fan. J'avoue que je suis pas fan. Doit être je suis pas fan du tout là. La limite. Vous inquiétez pas, moi je suis prudent. Hein. Oui, c'est quoi? Putain, mais tu. Putain, 49 sort de score. Ah oui, là. Fallait que je joue. Oui. Une fois, tu laisses tes doigts en dehors du clavier. Hein. Tu les laisses loin du clavier, s'il te plaît. Ok. Hop là. Oh, ce timing. Bien joué. Je coffre les ailes. Vas-y. Ah non, mais vous avez pas. Tu vas pas refaire la même que l'autre tout à l'heure. Il a perdu la goule. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ah mais c'est pas une statue. Oh putain, il fait peur ce con. Aïe. Mais arrêtez monsieur. Non mais c'est quoi? Laisse-moi m'en occuper, laisse-moi m'en occuper. Non c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah ouais, non mais... Connard. Oula. Oh non, c'est... Ah c'est bon, ah non. Mais... C'est une vraie statue. J'arrive. C'est bon. Et putain, mais... On va ajouter ça. Et résistance. On va maximiser, même si là, il n'y a que 10 demandés. Pardon ? J'ai fait 1 ? What the fuck ? You sparks and colors dance okay. Around c'est pas un échec critique finalement. Do you stay steady? 3 cartouches. 1, 2, 1, hop. Je vais en gagner. Eh ben bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce petit mardi 21 novembre. Bon, alors, aujourd'hui on va continuer un petit peu à l'émission en taxi hein, sur le Charcos avec Victor Kovalenko qui a enfin trouvé un petit travail. Alors, pour le coup, je sais pas si... enfin, si ça va être vraiment rentable de cette histoire-là, parce que bon, ah si, j'ai fait un peu de taxi là ce matin et tout. J'en ai fait pour 11 missions, donc voilà, ça va. A priori, ça va. Hop, on va retirer l'audio Discord que j'avais laissé. Let's go. Il y a pas grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose entre hier soir et là maintenant. Donc, du coup, voilà, on va faire un peu de taxi et puis peut-être que on croisera un petit peu de monde. Je vais quand même aller faire un petit tour au début là à l'hôpital. Parce que j'ai fait un petit coma et puis je suis malade, je crois que je tousse. Donc on va faire un petit tour à l'hôpital en premier lieu. Et puis je me suis un petit peu simplifié aussi la compta pour les taxis. Ah oui, tiens, c'est vrai. J'ai oublié de me connecter sur le TS.
Voilà, c'est mieux. Tac. Et voilà. Hop là. Bonjour, monsieur WHM. Alors le truc c'est que... Ah oui, tiens, regardez ici. A disparu. j'avais mis une cigarette dans cette poubelle, je voulais voir si elle restait... J'ai oublié de regarder un petit peu plus tard parce que je l'avais mise genre vers 9h30, 10h, je sais plus quand est-ce que j'avais commencé à jouer ce matin. Et du coup, je voulais voir si elle reste, elle serait de nouveau là quand je reviendrai. En fait, bon, bah, déjà il y a eu le reboot, donc je pense que c'est pour ça qu'elle n'y est plus. On va refaire un petit test. Je voudrais juste voilà, faire un petit test. Donc on va médecin, et on va aller se prendre de la bouffe, hein, parce que là, ça risque d'être compliqué. Alors, elle est où la mienne? Elle est là. Donc, je pense qu'on va peut-être passer... Alors, est-ce qu'on passe au restaurant d'abord? Je pense que oui, on va peut-être passer au resto d'abord. Voir s'il y a quelqu'un. Et puis s'il n'y a personne, ben on ira directement à l'hôpital, voir si... Il y a un médecin. Putain, c'est pas lui. Voir s'il y a un médecin pour me soigner. Ben, normalement, je suis censé tousser. Je sais pas si je vais récupérer la maladie. Ou si je l'ai toujours, je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir toussé depuis tout à l'heure. J'en profiterai aussi pour racheter quelques petits no stress parce que bon, métier de taxi, pas stressant. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas vu si j'avais remis ma cam? Je regarde ça. Je regarde ça juste après. Il me semble que je l'avais remise, mais à voir. À voir. Et c'est le Killer Ghost. Oh, en dessous de 130, t'auras pas de stress. Ouais, t'inquiète, je sais. Je m'en fous. Je peux me payer quelques cachets, y a pas de souci. Non, j'ai dit. J'avais dit d'abord le resto. Putain, lui il m'a fait la moustache. Et salut le Sky, comment ça va? Ouais, je sais. Bon, après. C'est les no stress, ça va, ça coûte que 15$. Ça va, ça reste. D'accord. Je crois que t'as perdu une roue, mec. Oh, bah, y'a du monde là.
Hop là. On va retirer les lunettes parce que je déteste ça. Faudrait d'ailleurs que j'aille enregistrer cette tenue. Bah oui, je suis taxi, tranquille, ma jambe, suite à ma séance de sport d'hier. Ah. Bah, c'est bien que tu fasses du sport, hein. Moi, il faudra peut-être que j'en fasse. Si. Bah du coup, oui, il y a un collègue là, je sais pas c'est qui. On va regarder vite fait, est-ce qu'il y a eu des messages sur le groupe. Et 2 heures. Il y a quelqu'un en service là et de disponible s'il vous plaît. Mais... Attends 10 jours pour m'emmener à Paléto récupérer mon taxi s'il vous plaît. Je viens d'avoir un mal de la tête. Ah, ok. Ok, ok. C'était toi, d'accord. Ok, ok. Du coup, je me demandais... Ouais, non, j'ai pas réactivé la cam. Je vous réactive la cam. Voilà, hop là. Voilà, voilà. Alors, vu que t'es taxi, moi, personnellement, je me suis un petit peu amélioré mon tableau, là, où je note les kilomètres et tout ça, parce que... Ça me faisait chier de rester sur une seule cellule et de faire à chaque fois plus machin et tout ça. Je me suis fait un petit truc dans lequel bah voilà ça calcule automatiquement le nombre de tickets et le nombre de kilomètres directement. J'ai juste besoin de renseigner le kilométrage, d'appuyer sur entrée, c'est bon, c'est enregistré. Si jamais bah, je termine pas la course à cause d'un problème, bah, j'ai plus qu'à supprimer... la cellule quoi. Et ça se met à jour automatiquement. Ah bah c'est parfait, je reposterai sûrement un peu plus tard. Ouais, la bonne journée, bon courage. Est-ce que vous ferez plaisir? Je vais prendre... je pense... au moins... 3... Ouais, je vais prendre... On va commencer par 3... 3-6. 3 rogues et 6... C'est ce cocktail de fruits, s'il vous plaît. Ok, ça part une préférence pour les fruits dans le cocktail ou pas? Non, 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 mettez ce que vous avez, fruits de saison ou pas comme problème. Vous voulez. Eh bah, ça marche, je m'occupe de ça tout de suite. Yakuyo. Ah, moi je me prends pas la tête... C'est je prends le client, je note, j'appuie sur entrée, voilà, comme ça c'est noté, et puis s'il y a un problème, voilà, c'est plus simple pour moi de mon côté. Après voilà, j'ai fait ça, c'est vraiment juste pour moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, voilà, tac. Et donc, oui, pour répondre à ta question, Sky, oui, je suis taxi. Ah, t'étais là, en plus. Hier soir. Ah, t'étais passé. Ça va, votre journée se passe bien? Ouais, ouais, je vais faire quelques malaises. Mais je vais passer à médecin, voir si... Enfin, hôpital, voir si médecin est disponible. Ouais. Ouais, pour examiner. On tombe facilement malade ici. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup toussé et là j'ai plus médicaments pour ça. J'ai fait petit repos donc je vais mieux, mais je préfère voir un médecin pour voir si tout va bien au niveau santé. Ouais, c'est toujours mieux. Pas jouer avec la santé. Je vous avoue que les réveils des fois sont difficiles, on tombe rapidement mal.
Oui. Et puis effectivement, climat chaud, froid, chaud journée, froid nuit, donc c'est... Je sais pas, pour moi c'est froid, froid, froid et froid, il fait trop lui. Je suis pas l'habitude de ces températures. Ah oui, d'accord, vous venez de pays chaud. Ouais, bah moi je suis d'Hawaï, donc oui. Et nous en hiver il fait 25 degrés, donc... Ah oui, d'accord. Oui, donc, moi, oui. 25, c'est quand canicule dans le pays. Ah oui, je vous avoue que la descente du bateau a été très compliquée. Hein. Oui, j'imagine. Alors, la petite facture qui va bien. Oui, au nom de Victor. 300 dollars. Hop. Les remerciements. Sur le ticket, paf, c'est bon pour moi. Ok, merci. Dites-moi, oh. Vous avez un accent, vous venez d'où? Je viens d'Ukraine, j'ai... Oui. Incroyable. J'ai... Peut-être meilleur vivre ici qu'en ce moment en Ukraine, ouais. Non, ça va, pas trop de problèmes. Ukraine, c'est juste, on me force à quitter le pays, c'est tout. C'est pour ça que j'ai parti au premier bateau qui partait, et du coup, j'ai atterri ici. Vous êtes d'où? J'ai pas entendu. De Ukraine. Ok, ouais, je me disais, l'accent, c'est Europe de l'Est. Ouais. Oui. Incroyable, j'espère qu'ici vous vous sentez bien. Ouais. C'est difficile, très chaud journée, mais bon, nuit un peu froide, mais différence de température, je tombe souvent malade, comme je disais à monsieur. Ouais, mais moi, je pense qu'on est tous le même problème. Ouais. Ouais, moi je lui disais, pour nous c'est du froid et du froid, que ce soit midi ou le soir, c'est trop froid. Ça c'est sûr. Ouais, quand ouais. Je viens, la journée c'est 30 degrés, le soir c'est 25. Ici c'est à peine ce qu'il y a en journée. Ah oui, d'accord. Non, moi au-dessus de 25, comme je disais, c'est considéré comme canicule chez nous, dans le pays. D'accord, écoutez. J'espère que. Je me demande si vous attendez pas l'hiver avec impatience, du coup. Si, tac, oui. Je. Je vais attendre hiver, ça me rappellera pays, je serai plus habitué. Oh, je pense que oui, vous allez mieux supporter que nous, ça c'est une certitude. Oui. On va avoir un doudoun, le bonnet, l'écharpe, les gants, et le sac. La cagoule, le sac de couchage, tout ce qui va avec, sinon on va avoir trop froid ici, c'est pas possible. Nous, on nous a parlé de neige, nous à part en photo, on n'en a jamais vu. Hein. Ah, moi je connais pas la neige, moi, ça c'est clair. Ah bon, vous jamais voir neige? Ah, vous non, allez non. Voir, c'est blanc, c'est très très froid. Et on peut faire boule de neige avec, des fois. Oh, ça c'est un truc de fou, ça. Et on peut se balancer boule de neige pour s'amuser aussi. Enfin, surtout enfin faire ça. Et eux, dans le pays, balancer boule de neige sur bus scolaire, sur voiture et tout ça. Parfois créer d'accidents, mais c'est. J'appelle. C'est pas grave, c'est enfant. Bon, allez, je vais voir si médecin disponible à l'hôpital et puis après, bah, je vais bosser. Ça marche. Bah, écoutez, bah, bonne journée à vous et puis peut-être à plus tard. Hein. Oui, merci. Plus tard, sans doute, oui, parce que je pense pas que faire journée avec ce que j'ai pris, mais ouais. Je préfère pas prendre trop. Hein. Non, c'est tranquille. Merci beaucoup, Diakuyo. Voilà. Bonne journée. Hein. Bonne bon voyage. Des fois, j'ai l'impression quand même que je fais un accent un peu arabe, et petit truc, mais c'est peut-être juste qu'une impression. Vous me direz. J'aurais dû peut-être prendre 4 plats parce que. Je suis
Je m'en doutais qu'il allait faire un demi-tour ici, lui, ce connard. Ah. Bah, c'est normal, c'est un accent. Après, n'hésite pas, hein, quand tu comprends pas quelque chose, tu demandes, hein. Enfin, tu demandes à ce que je répète, hein, y a pas de problème. Hein. Il y a des mots que j'utilise, c'est des vrais mots ukrainiens. Hein. Genre, dobrevyeche, ça veut dire bonjour et bonsoir en même temps. C'est utilisé pour les deux. Bouvaï, c'est pareil, c'est au revoir. Dozestleche, c'est à bientôt. C'est. Diakoyo, c'est pareil, c'est merci. Merde, je vais pas toucher ma ceinture. Bon. Alors, voyons voir si médecin. Ah, sonnette fonctionnait. Je pense que médecin est présent. Je vais patienter ici. Mais ouais, ouais. Bon, après, faut pas hésiter hein, à me le dire dans le chat hein, si jamais j'articule pas assez et que vous comprenez pas. Voilà. Oh non! Bon. Pas grave. Reboot exceptionnel. Bon bah. On va vite retourner. Ah d'accord. Ouais mais c'est embêtant ça parce que je peux pas mettre le véhicule dans... Dans un parking public. Donc c'est pas un rollback. Ouais. Non il y aura pas de rollback. Ah oui c'est pas faux. Ouais t'as raison. Je vais me mettre bah je vais aller près de la fourrière. Hein, ouais hein, c'est t'as raison. J'y pensais pas. Après bon ouais mais c'est un reboot exceptionnel donc du coup voilà. Hein, et Fonda ils ont pas intérêt à me dire quoi que ce soit. Faire genre que on se gare ici et qu'on récupérera le véhicule après quoi. Hop là, bon. Bien d'ailleurs, je suis jamais rentré dans ce bâtiment, on peut rentrer là. Ah ouais. Ça marche la machine à café? Non. Ah dommage. On a une machine à café chez Taxi, ça c'est vachement bien. Bon par contre, faut pas en prendre. C'est l'auto-école bah, ah oui. Ah oui, d'accord, auto-école, ok. D'accord. J'ai pas encore passé le permis. Hein. Je me suis fait embaucher, j'ai même pas passé le permis. Ah bah ils sont bien ici franchement on devrait avoir plutôt ce bureau là nous les taxis je trouve que c'est vachement mieux. Ouais, il commence à faire des contrôles là-dessus, effectivement. Bah, hier, dans l'après-midi, j'ai des flics qui m'ont dit oui, bah, faut passer votre permis et tout. Ouais, c'est bon, quoi. J'avais pas d'argent, enfin. J'ai fait croire que j'avais pas d'argent, même si j'en avais un peu, à ce moment-là.
Je leur dirais, oui, bah, j'ai été embauché hier, j'ai pas encore argent pour passer permis, donc... Donc voilà. j'ai combien d'ailleurs sur mon compte là? Il y a 2 000 $ à retirer parce que il y a j'ai eu le prêt de l'avance on va dire de la part du patron de Lejo. J'ai envie de l'appeler Lenny parce que du coup je le connaissais plutôt sous le nom de Lenny sur la V1 donc c'est un peu chiant, j'ai souvent l'intention de l'appeler Lenny dès que je le croise parce que voilà sa voix chaque fois j'ai... voilà le code je crois que je l'ai déjà passé le premier soir et du coup j'avais même enfin, j'avais oublié que c'était ici le de l'école tu vois. Moi il était Zetas avec moi sur la V1 là. Il était Zetas lui il a pas toujours été Rustigear. Ouais je sais que c'était un groupe crimi mais il me semblait qu'il avait toujours été chez les Rusty, moi, mais non. Ah, pas au début, d'accord. Après, j'étais pas là au début de la... Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il était, mais en tout cas, depuis... En janvier, je crois qu'il était déjà passé chez les Rusty. Bon, allez, hop. On va se déco. Tac. Et ça va être compliqué hein, quand même tout ça parce que là le niveau argent la prime et tout ça j'aurai ça que lundi prochain je suppose donc oh, l'essence ça coûte cher quoi. À moins que je confonde mais ça m'étonne c'est exactement ça. Ouais non mais c'est... Non mais c'est possible hein. C'est possible. J'ai pas forcément beaucoup connu les Etas parce que je crois qu'on a fait une descente chez eux quand j'étais au Lespidi enfin, la semaine ouais la semaine ou les 2 semaines où j'y suis allé. Enfin, où j'ai commencé. Enfin, dans les 2 semaines qui ont suivi mon embauche chez le LSPD à l'époque. Je crois que c'était eux. Enfin, les Etas, ils étaient en bleu, non? Je sais plus. Ou je confonds. Peut-être moi qui confonds, là, du coup. Bon, désolé, vous allez avoir un petit écran noir. Si on va passer vite fait sur l'écran Just Chatting. Quand nudiste et non, on était couleur sable. Ok, donc c'était quand nudiste. Où ça tout en haut là bah là où il y a les LOAS là sur la V2 ok donc non j'ai pas connu les Etas je pense donc il devait déjà être avoir rejoint les Rusty quand moi je suis arrivé sur le serveur. Tac. Qui c'est qui stream? Ah. Il y en a déjà qui relance. Ok, bah je vais relancer, on va voir. On va voir si c'est
Hop. Oui. Les états sont... Ah, les Shadow of the North. Ah, oui, exact. Je me souviens des Shadow of the North. Il y a eu le reboot ou bien Bon bah... Ok. Ah, Ryu, The Maki, oui, je me souviens un peu de toi. on s'est croisé peut-être un petit peu. C'était. Moi je jouais Germain Prudent. Ça parlait comme ça et tout ça. Parler en deux temps. Oh putain de merde. Les véhicules de Pinjo qui sont en pop. Ouais, c'est ça, je suis allé au garage quand ils m'ont viré. Hop, pardon, j'avais pas remis la scène. Ah, va falloir. Ah, j'ai oublié de. Oh là, ça fume! Tac. Je vais la commencer, je vais la pousser dans ce sens là. Je vais la mettre en face là. Tac, en point. Ici, je n'aurai personne. Voilà. Tac. Voilà. Moi, je suis un méchant, mais bon. On pourra dire que je rends des petits services comme ça. Ouais. Alors ils m'ont repris parce que si tu veux, je te montrerai la scène à un moment parce que le soir même ou le lendemain où j'ai rejoint, ouais, ça devait être le lendemain. Le lendemain où j'ai rejoint le garage. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai la joueuse de Elea, donc Hermie Wusty, qui était venue avec Louis Patel. Ah, il t'inquiète. Ah, ok, bon, bah, tu connais l'histoire. Ok, bon, bah, même pas besoin de raconter, super. Et tu étais au courant que t'avais, du coup, le général gouverneur Arnoc Cromwell qui est venu me voir au garage avec ses deux colonels et machin, et lieutenant, j'en sais rien, et qu'on avait discuté pendant 10 minutes sur le parking de la prison. Ah, t'étais là quand il a gueulé au commissariat. moi j'étais pas là, donc du coup je sais pas, mais j'aurais bien aimé voir ça, tu vois. Mais j'ai pas vu de... J'ai pas vu de clip passer par rapport à ça. Ça aurait été marrant. Mais le pire, c'est qu'on m'avait prévenu que ce que je pensais, enfin ce que je voulais faire, c'était... ce que je voulais faire, c'était un peu chaud, quoi.
Mais bon, je voulais pas non plus. Je crois que personne n'a compris que je voulais faire ça en civil. Je voulais pas faire ça en mission policière, tout ça. Je voulais juste, apprendre et comprendre un petit peu la philosophie des différents groupes. Je venais d'arriver, quoi. Je fais. Je connais pas, moi, les gens. Du coup, Germain, lui, il aimait bien connaître les gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... On me l'a dit, hein, y a tout le monde qui m'a dit après, ouais, c'était une bonne initiative et tout. Vraiment. Alors, on m'a pas... C'est pas vraiment un licenciement en plus, hein, parce que c'est... Ils m'ont posé la question de si je voulais rester au Les Speedy, des trucs comme ça, et... Quand j'ai vu qu'ils m'engueulaient, je me prenais, je m'en prenais plein la tête pour rien, j'ai fait, allez, vas-y, ça me saoule, ça m'énerve, enfin, Germain, ça l'a énervé. Du coup, il a dit, non, je préfère ne pas rester au LSPD si c'est comme ça. Ouais, exactement. Exactement. C'était bien de vouloir faire ça, mais bon. C'est un peu risqué. Et pour la petite histoire, en fait, c'est parti de ça. C'est que j'ai voulu discuter avec Johnny Thunder. Et pour... assurer entre guillemets mes arrières, parce que bon, c'est quand même avec un chef de gang que j'allais avec qui j'allais discuter, donc voilà, je voulais pas non plus y aller en mode tout seul comme ça, personne sait où je suis, tout ça. Donc j'avais demandé à quelqu'un des EMS que je le tiendrai au courant de ça, du jour à un truc comme ça. Comme ça, je lui enverrai des messages régulièrement pour lui dire si tout va bien ou si c'est la merde ou quoi que ce soit. Donc on aurait fait ça. Et c'était juste pour que, si jamais, finalement, je sais pas, je connaissais pas du coup si Johnny et les Rusty, ils allaient me tendre un piège ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai voulu assurer mes arrières et du coup, l'EMS à qui j'ai parlé de mon plan, je lui avais dit de ne pas en parler, mais il a fait quand même remonter ça à sa direction. Sa direction qui m'a convoqué du coup. Et qui du coup m'a demandé pourquoi je voulais faire ça et tout ça, et qui c'est elle qui a fait remonter l'information à l'état-major du LSPD à l'époque. Voilà. Donc j'y serais allé tout seul, mais bon, c'était pas sécurisant pour moi, enfin pour Germain, c'était pas très sécur d'y aller seul, donc c'était soit il faisait comme ça, soit il le faisait pas, quoi. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'est que quand je me suis fait tirer dessus, il n'y a rien eu derrière, l'état-major a étouffé l'affaire. Ça m'a cassé le moral, j'ai rien eu pour après. Ah ouais? Ah, tu t'es fait tirer dessus Mais comme ça, gratuitement, ou c'est... Parce que moi aussi, hein, je me suis pris des balles, on était en patrouille à un moment avec je sais plus qui, on était trois dans la voiture.
Et du coup, on s'est fait prendre en embuscade par les jaunes. Là, je sais plus comment ils s'appelaient, les jaunes à cette époque-là. On s'est fait abattre dans une ruelle lors d'un guet-apens. Ah merde. Et du coup, ouais, c'était... nous, on s'est fait choper juste Innocence Boulevard, ici, là. La petite rue là qui passe là et dans un hangar là. Ça devait peut-être pas être toi. Et tout ça c'était à cause de comment dire du joueur de Buck Owens qui avait sorti son flingue, son 9 mm au lieu de son taser et qui avait tiré dans la jambe de l'un des leurs, et c'est pour ça qu'il s'était vengé genre le soir même ou le lendemain, je sais plus exactement. Et donc ils ont pris la première patrouille de flics qui venait, et puis voilà, j'étais dedans. je me suis pris des balles. Ouais, je vais ressonner un petit coup. Parce que bon, il y a quelqu'un des EMS, mais... J'ai envie d'aller bosser, moi. Il se passe là sur le Discord. Ah non, en fait, quand tu fais la sonnette, si t'as la notification là en haut à droite de l'écran, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a un EMS. S'il y avait personne, déjà là je pourrais pas cliquer, ça passerait pas en blanc. Et du coup, voilà, là je saurais qu'il y a vraiment personne. Mais là, vu que quand je clique sur la sonnette, il y a une notification qui est envoyée aux EMS, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Ah, mais il la voit pas forcément pour moi. Pour ça, moi, je fais un appel pour le dire. Ah, c'est... Ça leur fait comme... comme notification de job, hein. C'est un message prédéfini et tout ça. Hein. C'est comme ils ont une notif. Ils ont une notif. Donc du coup, ouais. Après, tu sais que ils prennent l'appel et tout ça, mais bon, ils sont censés quand même venir. Il y a quelqu'un qui demande. À l'accueil. Alors, on va peut-être pas fumer dans l'hôpital, ouais, surtout qu'il y a un panneau. Ah. En parlant de notification de job. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, j'aurais besoin d'un taxi, êtes-vous ouvert? Oui. Tac. Envoyer destination via application taxi, s'il vous plaît. Hop, on va dire. Hop.
Hop là. Ah oh, putain. Putain. Alors, Makoto Saito, Monsieur Saito, je... Je viendrai après tempête, voilà. Tac. Oula, merde, j'appuie sur la barre d'espace sans faire exprès. En déverrouillant. Aïe. Ok. Il faudra que je passe. Que je repasse au. Au bureau des taxis là. Pour. Peut-être fermer le véhicule. Pour mettre ma tenue et puis il faut que je l'enregistre. Je sais pas exactement comment l'enregistrer, si ça va me coûter de l'argent ou quoi que ce soit. Mais. Ouais, il faudra que je fasse ça. Hop là. Ce qu'on va faire, tiens, on m'a donné ce lien tout à l'heure, je vais juste... Tac, single player... Hop là, je vous montre ça... hop là, tac... On va faire un petit peu de géoguesseur sur la map GTA en attendant. Dans 5 minutes. Donc full map. Voilà, 5 landes. En nos limites. Bon, je suis pas. Pas non plus le meilleur. C'est où ça? Ah oui, je vois. Ok. C'est quelque part par là. C'est ici. On est juste ici. 6 mètres près. Ah ah. Ah bah ça c'est facile. C'est ici. Donc on est ici. 8 mètres, 9 mètres. C'est quel parking? Il y a la Maze Bank Arena ici. Eh ben, facile du coup. C'est le parking qui est ici, ouais c'est ça. Et donc on est juste là. 4 mètres près, nickel. C'est où ça? Ah bah oui, c'est... oui, c'est... là où il y a parfois l'intérim et tout ça. Donc c'est... C'est où? Tac. C'est ici, ici et. Merde, c'est lequel? Non. Non, je sais plus. Legion Square, c'est là. Donc, du coup, c'est. Tac, tac. Et c'est ici.
Non. Merde, c'est où? Si le John Square c'est là. Normalement c'est une, deux. Ah normalement c'est là. C'est là. On est là. Ah non, on est ici. Ouais, c'est ça. Ouais, parking rouge, ouais, mais on voit pas trop le parking rouge de cette vue-là. 16 mètres. Ça me fait... Quoi? Oh, vas-y, ils abusent. Ils abusent le site. Ah bah ça, c'est ultra simple. C'est un restaurant sur le précédent serveur sur lequel j'étais. Il est où? C'est où déjà? C'est dans le coin. Ah, non, c'est pas là. Merde, c'est... Je suis pas loin, je sais que je suis pas loin, mais j'arrive pas très bien à me souvenir. C'est... Là, on est trop loin. C'est peut-être ici. Oui, c'est là. Donc on est juste en face ici. Hop là, ouais. 1 mètre, voilà. Voilà, hop, 24 000 points. Allez, on a le temps d'en refaire une petite en 5 rounds. Et on va se mettre genre 60 secondes. Allez, hop. En 60 secondes. Par round. Oh bah. Easy. Hop là, tac, tac, tac. On est ici. À quel niveau? C'est on va dire à peu près niveau du bâtiment là, donc on est juste ici là. 7 mètres près, voilà, parfait. Oula, on est dans la pampa là. Là ça va être plus compliqué. C'est où ça? C'est quel... je vois le petit pont là. Ah, je vois la... Ok, je vois où c'est. Je vois l'espèce d'église qui, du coup, longe le main bord de Señora Freeway. Non, c'est pas la Señora Freeway. Là, on est plutôt de ce côté-là. Et parce qu'on voit l'espèce de petite église là. Je sais plus où est-ce qu'elle est. C'est celle-là. Elle est là, donc du coup, on la voit comme ça, quasiment de face. Donc on est ici. Voilà. Bah ça c'est Sandy Shore, là il y a le pont en fer qui est ici, on est dans l'espèce de long virage, le début du long virage, donc on est juste ici. Ah genre, oh putain, 9 mètres ça va, bon. La station service d'ici, c'est celle qui est au sud. On est pas loin, je sais plus. C'est ici. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ici. On est à l'intérieur, on est là. Ouais, effectivement, on n'est pas très très loin de Mirror Park, effectivement. Tac. Mais genre, je suis pas à 13 mètres, faut arrêter.
Arrêtez là, monsieur. Easy. On l'emprunte tellement souvent cette freeway, cette portion de freeway, que bon bah c'est pas trop difficile. Alors, on est où exactement là? Il y a le pont de chemin de fer qui est là. J'arrive pas à voir. Est-ce que je pourrais prendre comme repère là? Il y a. Ça doit être ici, je pense. On est là. Ouais, l'entrée du tunnel est quand même un petit peu loin. On est quelque part par là plutôt. Merde. Oh bah heureusement j'ai recliqué. Hein. J'ai pas vu le temps. Bon bah voilà, pas mal. Allez. On va retourner sur le jeu. Je pense que là, il est 18, ouais. C'est tout bon. Tac tac tac. Il y a même pas eu d'annonce sur le Discord. Personne n'a encore retourné sur le jeu. Si, il y en a qui viennent de se connecter. C'est juste que c'était pas actualisé. Hop, je vous réaffiche le jeu. Voilà. Ouais, cette fois-ci, là, le véhicule a bien été mis en point. Broadway. Celle-là. Du coup. Je vais déjà me diriger vers la station de taxi. J'ai pas repris de cachet, donc du coup je vais mettre le régulateur. Ouais, sérieusement? Ouais. ouais, clairement, moi aussi. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre son joli taxi. N'avoir que une place passager, c'est pas très dérangeant, en tout cas pour les missions missions PNJ. Après, le jour où je vais avoir plus d'une personne à emmener, là ça va être embêtant. Même si, je sais pas, on dirait qu'il y a quand même qu'il y a des... Tu transmets... Qu'il y a la DS. Ok, d'accord. Ouais, mais bon, ça me fait chier quand même, parce que du coup, je passe à côté d'une course, quoi. Et du coup, il faudrait que je demande... au client s'il est bien tout seul. Thank you.
ça va être juste un petit coup à prendre. Oui, oui, en général, il y a quand même qu'une seule personne. Hop là. On va aller se faire qui veut lui? Tu veux te battre? Hein? Tu veux venir? T'as peur hein? T'as peur de sortir? Eh viens! Viens, je t'attends moi. Ouais, c'est ça, vieux schnock. Ha! T'as tapé la vitre. Bon allez, hein, on s'en fout de ces idiots. Oh putain, j'ai failli me faire renverser. Est-ce que j'ai de l'argent sur moi? Non. Dobre wiecie, madame. Dobre wiecie, monsieur. Recrue taxi. Hop. Alors, hop, tac. Prendre la mission. Ah, je vais être dans votre taxi. Hop là. Du coup, je dois me rendre. C'est où? C'est où ça? Human Labs. D'accord. Et salut Rosa. Comment ça, moche, Victor moche? Pourquoi tu dis ça? Ah, il a pas une belle gueule, hein, je le sais, hein, mais bon. C'est la tenue de taxi. C'est lui pas très, pas beaucoup aimé, mais lui obligé porter tenue patron demander à ce que lui porter tenue taxi pour lui travailler. Hein.
Donc là, on va vraiment prendre un client. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de... c'est la première fois que je le fais. Normalement, il faut compter le nombre de kilomètres qu'on fait aussi avant d'aller chercher le client. Donc, client. Donc là, il y a... je vais mettre 1,87 km. Je lui compte pas les autres. Mais ça va, ça va, ça va. Bon, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup jouer là depuis tout à l'heure. J'ai lancé le stream à 13h30. Donc ça fait une heure. Et comment dire que... Il y a eu deux reboots depuis, donc... J'ai juste eu le temps d'aller choper de la bouffe et puis de la nourriture, enfin de la nourriture et des boissons au restaurant. Et puis c'est tout. Et là je vais chercher un vrai client, un vrai joueur. Donc ça va être ma première mission. Double VHC, monsieur. Alors. Ouais. Hop là, je vais jusqu'à point que vous m'aviez mis. Voilà, et c'est ça. Hop. C'est à la fourrière. Du coup, hop là. Client reçu. Voilà, maintenant j'ai destination que vous avez demandé. Ok. 6,5 km. Ok, je note. Voilà, c'est pour compte, excusez-moi. 6,5 km ? Ouais, parce que moi il me dit 5,91 km. Dans l'application. J'ai. Moi affiché là sur GPS 6,5 km. Je vais pas vous compter les 500 mètres si vous voulez. Non, non, mais c'est pas le problème de ça, c'était juste. C'est bizarre. À 50 euros près, c'est tout. C'est $35 par kilomètre, donc. Ah, c'est 35 km, d'accord. Il faut pas regarder le prix qui est affiché, c'est ça? Non. Le tarif affiché, lui, a calculé sur ancien système taxi d'ici. Ok. Donc. Oui, parce que moi j'ai eu peur, j'ai appelé à la vous, c'était pas quand j'ai eu pris, c'était mal. Oui, là il y en aura pour 30, au moins 300 dollars et quelques. Je vais calculer quand nous serons arrivés. 6 fois 35, il y en a pour 210. Voilà, oui. Et moi, ajouter aussi kilométrage pour venir jusqu'à vous. Ah, d'accord, ok. Donc ça va, j'étais à station de taxi quand j'ai pris appel. Donc ça va, j'étais pas très très loin. D'accord. Je mentionnerai, mais je sais pas si c'est vraiment légal. Hein. Moi c'est patron qui m'a dit de faire ça. Je verrai ça que... Je fais que appliquer formation. Hein. Okay. J'arrive à côté. Vous allez pas sauter taxi quand même. Je vous entendre.
Ah oui, vous avez raison déjà. Il y avait 5 979. Hop là. Alors, on va calculer. Voilà, excusez-moi, excusez-moi. Pas de soucis. Alors, j'ai effectivement sur application, ça indiquait 5 979. Non, on va dire 6 km, on va pas chipoter plus vos kilomètres, mais... Allez, vu que c'est vous mon premier client, je ne vais pas compter les kilomètres faire pour venir jusqu'à vous. Non, 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 comptez-les, comme le patron vous a dit, vous les comptez. Je vois ça après de mon... je verrai ça avec le Marshall si également voir si c'est possible, si c'est autorisé ou pas du tout. Voilà, pour l'instant en fait comme vous a dit. Vous inquiétez pas, j'ai pas de problème d'argent. Ok, ok. Voilà. Bon, ça vous coûtez pas trop cher, hein, je vous rassure. Non, le problème c'est que par exemple si vous êtes tout en bas, vous mettez 8 km et la personne c'est juste pour faire 1 km. Il risque de faire un peu la tête, la personne. Voilà. Venez. Voilà. Oui, je comprends. Alors, voilà. 274... 60... 71... trajet... taxi... Hop là, voilà. Vous avez bien eu facture Oui, c'est bon, j'ai facturé et payé. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Ne bougez pas. Attendez deux secondes, vérifie si j'ai ma voiture. Oui, oui. Elle est pas là? Votre véhicule n'est pas ici? Non, elle est pas ici. Je vais voir avec... Ah, d'accord. Au-dessus... Mais d'abord, je vais aller vite faire au resto parce que j'ai commencé à manquer de nourriture. J'espère qu'il y a quelqu'un. Vous voulez... j'ai un peu boisson et nourriture, si vous voulez. Ah ben, je veux bien. Ok. Attendez, hop, on m'appelle. En même temps. Oui, Franck. Oui, je sais, j'en ai dessus. Oui, je sais, j'en ai dessus. Envoie-moi un message à la plaque, s'il te plaît. Ok, tu dois avoir tes clés. D'accord. Merci. Hop, voilà. Merci, merci. Hop. Je sais pas combien ça coûte. Hop. Voilà, tenez ça, c'est pour vous. Oh, merci beaucoup. Très voilà. Gentil à vous. Bah, c'est vous, t'es très gentil aussi à voir de me dépanner. Je vais aller voir. N'hésitez pas à aller voir. Il y a un système d'information sur chaque parking public qui dit où trouver les véhicules. Oui, non, mais c'est. Comment vous expliquer ? C'est un parking qui a disparu. Un parking a disparu ? Oui, devant mon entreprise, le parking a été a disparu, du coup... Ah, d'accord. Voilà, ah oui, donc, c'est embêtant, ça. Voilà, on m'a dit de venir ici et pour voir si c'était là, et en cas, il faut que je voie pour faire le nécessaire. Et c'est pour ça que mon employé a aussi sa voiture qui a disparu. Voilà. Ah oui. Il faut qu'il vienne ici. Donc, dès que je récupère la mienne, je vais le chercher pour qu'il vienne chercher la sienne ici. D'accord, d'accord. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, un peu plus tard. Est-ce que vous voulez que je vous attende pour... Non, allez-y, faites vos courses, en cas au pire, je vous rappelle. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben, très bien. Merci. Vous en prie. Dans les stretchers. Oh.
on va déjà faire plein. Plein d'essence. Hop là, bon. Ouah. Allez, on est parti pour faire des petites missions PNJ, du coup. Voilà, c'est ce que je pensais. Voiture de flic. De shérif, je veux dire, pardon. Double voiture, madame. Alors, Senora Road. Ok, ok. Je vous demande un petit instant. 9,85 km. Ok. C'est parti. Attachez ceinture, hein, conduite sportive. Mode de conduite sportive enclenché. Attention, je passe seconde. Hein. Ok madame, qu'est-ce que vous faire dans Vélo Sud? Vous allez faire shopping? Ah ok ok, vous avoir de l'argent parce que pour de laver ici très cher. Hein. J'ai galéré au début quand je suis arrivé jeudi dernier hein, sur île. Voilà. On va faire doucement ici, virage dangereux. Voilà. Je vais pas rouler à plus de 130. C'est encore un peu stressant pour moi le boulot de taxi. J'ai commencé hier soir et c'est plutôt sympa. On rencontre beaucoup de monde différent. J'ai déjà croisé plusieurs personnes qui allaient à un restaurant près de à Sandy Shore là. Beau de quelque chose là. Du coup n'hésitez pas à aller là-bas aussi, c'est vachement bien. Un peu vide mais ambiance sympathique. Et qu'est-ce que vous allez acheter comme comme chose dans ville Ah, vêtements, d'accord. Je comprends. Voilà, attention. Bon, pas vous en faire. Hein. Je vais faire un mouvement brusque, mais il n'y a pas de problème.
vous aurez pas accident avec moi. Non, 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 pas par là, non, non. Route de merde ici, hein. Je préfère faire petit détour avec route plus facile. Le trajet va pas être allongé de beaucoup. Par contre, GPS de merde ici, hein. Je sais pas si vous avez déjà fait remonter problème. Mais c'est souvent trajet indiqué merdique. Lui faire passer par petite rue étroite et tout, avec beaucoup de passages, et du coup conducteur de merde, voilà, comme là, tourné brusquement devant moi et devoir éviter trop souvent accident. J'avais pas vu que j'allais aussi vite. Je préfère passer par rue principale, la grosse avenue et tout ça. Plus trafic, plus fluide, plus espace et tout. Hein. Moins de risques d'accident avec ça. J'ai cru voir passer collègue. Voilà, on est bientôt arrivé. Voilà, j'ai pas touché une voiture. Vous avez vu? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la course. N'hésitez pas à donner pourboire, hein, madame. À la prochaine. Mauvais streetier. Alors, j'ai autre course juste en face. Ok, je vais prendre. Demi-tour. Double évêché, madame. Alors, où est-ce qu'on va? East Joshua Road. Ok. D'accord, vous allez chez vous Sandy Shore. Ok, je note juste kilométrage. Voilà. Attachez bien ceinture. Hein. Autre usager de route très mauvais. Hein. Conducteur. Pas comme moi. Moi, très bon conducteur. Moi, j'évite accidents et tout ça. Tout. Conduite très sportive, mais haute sécurité. Est-ce que je peux... Oula, j'ai pris petit accent allemand vite. Excusez-moi, j'ai pas été concentré là, du coup j'ai... Bon, j'ai peut-être menti sur... sur conduite sécurité. De quoi vous habitez donc à Sandy Shore, hein. Est-ce que tarif
Ok, là-bas, est-ce que maison va le voir cher ou pas? Moi, avoir l'habitude de conduire sur la neige aussi. Ouais. J'ai l'habitude, mais bon, sur le jeu, ça glisse. Ça glisse énormément. La neige, ça glisse beaucoup. Alors, vous pas vous inquiéter, hein, je vais prendre un petit raccourci. Attention, animal sauvage. Peu nombreux dans le coin, hein. Je sais pas, herbe sans doute très bonne ici. Hein. Dès que t'arrives sur le stream, il y a toujours une dingue. Je vois pas de quoi tu parles, franchement. Juste percuter un mec à l'arrêt, c'est tout. Dinguerie. Bon, d'accord, je prends des petits raccourcis et tout. Et ça permet d'économiser un peu d'essence. Que pour l'instant, c'est moi qui paye l'essence. Ok. Et bah à toutes. Entre bien, attention sur la route. Voilà madame. J'espère que vous appréciez mon trajet. Non, je vais pas prendre vous une deuxième fois, hein. C'est bon, hein. Vous vous débrouillez maintenant. Je vais faire un petit arrêt à la station service. Non, pas facture. Hop, 74 litres. Hop, ça. Hop là, voilà. Alors, là, ça va être chiant parce que c'est la nuit. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de PNJ. Alors, WC, monsieur. Alors, où est-ce qu'on va? Elgin Avenue, à 5 km 37. Ok. Je regarde juste où ça se trouve. Ok, ici, donc on va prendre freeway jusqu'à sortir. Ok, prendre première sortie freeway.
Ok, c'est parti, j'ai vu le trajet. On va prendre la freeway quelques instants et après on va prendre un petit raccourci personnel. Faut pas vous en faire, ça va juste un peu secouer. Voilà, ça juste début, hein. Ça secoue encore plus après. Voilà, c'est bientôt fini, je prends un dernier raccourci et après on va pouvoir retourner sur Bitume. Voilà. Trajet plus tranquille maintenant. Ah, non, pardon, j'ai menti encore petit raccourci. Voilà, pour retourner sur freeway. Et qui est crétin là, qui fait demi-tour sur. Freeway là. Ah d'accord, vous allez à l'hôpital, vous avez quelqu'un ici qui est... qui est malade, d'accord. Je comprends. Dose est tué. Alors, j'ai autre course... Ah, je dois descendre, ok. Oblivetier, monsieur. Alors, où est-ce que nous allons? 5 km 45 Alhambra Drive. C'est où ça? Ah, d'accord. Sandy Shore. 5 km 45. Ok. Oh. Je me suis trompé de bouton. J'ai décroché la ceinture plutôt que d'appuyer sur le bouton démarrage moteur qui est à côté.
Vous aussi habitez chez à Sandy Shore, j'ai déposé quelqu'un d'autre ici tout à l'heure. J'ai une jeune femme, très gentille, très mignonne. Elle pas très causante, parce que j'ai demandé si elle avait info sur tarif à maison, mais elle n'a pas en réponse. Alors, faut pas d'inquiétude, hein, juste un petit détour. Parce qu'il y a un barrage sur ce freeway. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est un peu embêtant. Vous avez trouvé un client. Ah. Alors, je vais prendre un autre raccourci, mais je ne veux pas vous en faire, hein. C'est tout à fait normal. J'ai client qui demande taxi. Je vous dépose et après je dois aller vite chercher. Je dois déjà manger beaucoup vite, j'ai très faim. Voilà, hop. J'ai failli tomber dans les pommes à quelques mètres de chez vous, ça aurait été très embêtant. Voilà, voilà, on est presque arrivé jusqu'à chez vous. Et voilà, monsieur, j'espère que vous avez apprécié Société Taxi dans 34 cours. Alors, on va juste désactiver ça. Et je vais... parfait, je vous remercie. Ah bah. Ah bonjour, le Joe. Ça va? Oui, oui, ça va. Il y a un client qui demande taxi. Du coup, je prends ou tu prends? Ah bah tu peux prendre si tu veux. Hein. D'accord, d'accord. J'ai eu un client tout à l'heure aussi qui était étonné que moi facturais kilométrage avant d'arriver jusqu'à chez lui, jusqu'à lui. Oui. Mais c'est ok? Ah bah bien sûr que c'est ok, autrement on peut facturer aussi le fait que dès qu'on se rend sur place, même si à 10 mètres on fait payer. C'est comme il préfère. Oui, d'accord. Ok, ok. Très bien. Eh bien, d'accord, j'ai réponse. C'est qui Oscar? Il travaille chez nous, lui? Ah oui, Oscar, il travaille chez nous, pourquoi? Ah, d'accord, j'ai vu lui prendre. Prendre mission taxi. Ah oui, dans la compta, c'est marqué qu'il travaille chez nous. D'ailleurs, j'ai oublié de. De confirmer que le client de tout à l'heure avait été déposé.
Ok, bon, bah, du coup, je vais continuer mes petites missions. Bon, tout se passe bien? Oui, oui, tout se passe bien. J'ai. Petit problème de. On va dire de. Nutrition. J'ai. J'oublie un petit peu trop. Manger au bois. Mais sinon, ça va. Bah, tu sais que ça va. Oui, j'ai déjà fait deux malaises dans le taxi depuis hier. Ah oui. Oui. Faut faire attention. Oui, oui. Oui, oui, je suis trop concentré sur travail et du coup, j'oublie d'écouter mon corps et je regarde pas si j'ai soif ou pas. Ah bah, je vois très bien. D'ailleurs, est-ce que t'as soif ou faim? J'ai à boire et à manger, si tu veux. Alors, j'ai donné à un client un plat et une boisson parce que lui n'avait plus rien. Hop là, tiens. Ah, bah, ça va super. Pourrir autrement. Hein, il faut... Ah, pardon. Oui, parfait. Merci beaucoup. Il faudra bien les manger assez vite. Hein, oui, 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 oui. Pas de problème. Je vais d'ailleurs boire une boisson tout de suite. Allez. Oui, moi j'avais ton client, mais du coup, il voulait pas monter dans mon taxi. Il était pas très gentil. Ah, d'accord. Bah oui, je venais juste de déposer lui ici. Je sais pas ce qu'il venait faire. Moi, je pense qu'il rentrait chez lui, mais visiblement. Ah, bah, ah bah sûrement. Il y a beaucoup de maisons. Oui. Mais vu là où je l'ai déposé, je sais pas si c'est vraiment chez lui qui voulait rentrer. Ah, bah, peut-être très bien au restaurant là. Oui. Il a l'air fermé quand même. Oui. Je ne sais pas. Bah si tout va bien, tout va bien. C'est toi qui perds des portes ou c'est pas toi qui perds des portes? Non, je vais pas perdre de portes. Tu vois des portes. Tu vois des portes qui sont perdues sur certains taxis? Ah bah c'est ce qu'on m'a dit. Ah bon? Bah non, bon, c'est pas moi. Moi j'ai pas perdu porte, juste perdu connaissance et pas porte. Et bah tout va bien. Allez, j'y retourne moi. Oui, oui, oui. À tout à l'heure. Allez. Allez-y, monsieur. Madame, je sais pas. Pourquoi je peux mettre que 30 litres ici? La pompe qui commence déjà à baisser là, puis être assez pleine. Attends, je vais me mettre juste un petit peu à l'écart. Et je vais je vais juste au shop. Ah, donc je reviens. Je reviens. Hop. À tout de suite.
Et me revoilà. Alors, juste avant de reprendre, je vais juste regarder une petite chose. Je vais mettre ma vue sur quelqu'un, genre je task. Tiens, je vais mettre sa chaîne derrière. Hop, sur mon écran. Parce que Hughes, il est sympa, mais je suis pas follower de sa chaîne. Voilà, voilà. Hop, on va garder la calculatrice. Et c'est tout bon. On est reparti. Alors, F6, activer les courses. Et... ceinture. C'est vrai que je... ceinture... je sais pas comment... comment je pourrais dire en, avec l'accent... Parce que au moins... ah. Oh putain, non, pas encore... dans ce truc. Hop là. Je vais faire une petite capture d'écran. Enfin, j'ai fait une petite capture d'écran et je vais le mettre sur le Discord, hein, parce que il y a des moments où les PNJ. Hop, je mets, je coupe mon moteur aussi. Il y a des moments où les PNJ, du coup, ils se mettent. Ils demandent des trucs. Ils sont dans des endroits un peu étranges ou buggés, quoi. Hop là. Dans l'espèce de motel délabré de Sandy Shore. J'ai pas vu, non, je crois qu'il y a personne d'autre qui a eu ça. Ok, hop là. Alors, double VHU, monsieur. Alors, vous voulez aller 4,47 km d'ici. Alors, c'est où? Ah, vous allez Casino Hippodrome. Ok, ok, on va aller là-bas. C'est parti. Shit! Putain, mais... what? C'est un chat, mais indestructible. Ok. Ok, le chat. Ok, le chat indestructible. Alors, hop.
Wouah, c'était chaud. C'est peut-être trop tard pour le clip, mais tant pis. Je le referai bien après le live. Mais c'était... c'était serré, hein, j'ai... Je pense que lui aussi a serré les fesses, hein. Et voilà, vous êtes arrivés, n'hésitez pas à donner pour boire, hein. Pas de pourboire, ok. Pas grave. Alors, doble vécu, madame. Alkongen Boulevard, ok. Tac. Hop là, 4 km 80, ok. Oula. Ok, 110 chevaux. Eh bah très bien, on retourne à Sandy Shore. Je vais peut-être faire pause sur après vous avoir déposé. Pour aller faire une petite réparation taxi. Lui, je sais pas, j'ai peut-être trop demandé un moteur, et je sais pas, j'ai l'impression de lui perdre huile.
Ok, nous sommes arrivés. J'espère que vous avez apprécié course taxi Downtown Carrefour. Bonne journée, madame. Non, je veux pas vous encore, hein, c'est bon. Les bijoux de famille, vous achetez bijoux. Bijouterie, d'accord. Non. Du coup, j'ai dit que j'irais faire un petit tour au mécano. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle... Il y a un peu de mal la bagnole là. Bonjour. Alors, je pense que lui a besoin d'une petite révision parce que je sais pas, peut-être fuite d'huile. J'ai perte de puissance, j'ai l'impression. C'est les taxis, ça. Oui, c'est taxi, bien sûr. Dans le temps de cab, oui. Ouais, non, mais bon, vous savez, tu sais, on pourrait acheter des véhicules rétro et avoir la même, le même truc, donc je préfère être sûr. Avec le petit truc taxi juste en haut, là. Oh. Bah, oui, ouais. C'est marqué dans le temps de cab, quoi. Moi, pas payé. Est-ce que tu connais pas les trucs où tu peux avoir des stocks? Genre, tu peux acheter un char ou des machins comme ça, ça existe, ça? Je vois bien, ouais. Donc, il faut jamais juger juste parce que tu vois. C'est des conclusions hâtives, ça. Alors, en vrai, le taxi, c'est un Broadway. Et le monsieur, je l'ai déjà vu. Ouais, bah, moi pas. Donc, voilà. Donc j'ai envie de dire pouet-pouet. Mais... ça se pose comme question. T'as raison, ça se pose. C'est juste répa ou répa nettoyage? Repas nettoyage, s'il vous plaît. Ok. C'est patron me dire que lui, si je peux faire un nettoyage, je fais un nettoyage. Donc c'est un Broadway qu'on m'a dit, ok. Oui. Vous avez pas ligne compta pour taxi dédié Bah le problème c'est que les taxis, si j'ai bien compris, il y a deux véhicules. Il y a les Broadway. Ah oui, Broadway et je sais plus autre, effectivement. Voilà. Donc, on nous a demandé de bien notifier que c'est soit un Broadway, soit un. Bah, je sais pas c'est quoi l'autre. Donc, voilà. Je sais plus non plus. C'est. J'ai trop de mémoire. Et puis, j'ai commencé un taxi hier soir. Donc, j'ai pas encore habitude. Et patron me donnait que Broadway comme clé. Par contre, j'arrive vite fait, je viens de me rendre compte que les patrons nous ont tellement happé directement pour nous parler que j'ai oublié mes outils. J'arrive. Oui, allez-y.
Vous avoir reçu de nouveau... Ça se passe bien au taxi ? Oui, oui, ça se passe bien. Et vous, vous avez reçu de nouveau quête réparation, je présume. Oui, parce que... Le problème, c'est qu'il faut en acheter, et bah, quand les patrons sont... Bah, seuls les patrons peuvent faire le restock. Donc, bah, là, comme les patrons n'avaient pas été là pendant quelques heures... Mais en même temps, il y a... Ouais, il y a un petit souci... Pour l'instant, on dirait qu'il y a des kits qui disparaissent. Ah bon? Non, parce que bon, hier par exemple, on aurait fait dans les 80 réparations et il y a 200 kits qui sont partis, donc il y a un problème dans la compta. Ah, peut-être des gens ont volé quêtes dans... Je sais pas, mais enfin voilà, disons qu'en gros c'est clair que bon, officiellement il y en aurait eu 200 et il y a 80 réparations qui ont été faites, donc bizarre. Ou peut-être mécanicien oublié enregistre et compta. Ouais, possible, ou alors il s'est endormi avec quelques kits, il y en a plusieurs qui sont endormis avec quelques kits et voilà, mais bah, disons que le problème c'est que ouais, ça a foutu le bordel parce que bah, évidemment ceux qui étaient encore présents pouvaient plus réparer. Embêtant pour collègues, hein, effectivement. Bah, disons que le problème, c'est que voilà, si on n'a plus les pièces pour réparer, ben on sait plus réparer. Déjà qu'on a un problème, là, pour l'instant, on n'a pas de garage centralisé. Donc, quand il n'y a pas de patron, on ne sait pas sortir de dépanneuse, donc ben, il n'y a pas de dépannage. Et il y a un petit souci informatique, on n'a plus accès à la console pour vendre des véhicules. Ah zut alors, ça c'est très embêtant. Ah ouais, donc ouais pour l'instant c'est ouais faut partir du principe que le seul truc qu'on peut faire ici c'est réparer. Voilà, c'est... Ok. Hop là, alors on va bichonner le moteur là, hop. Comme ça, il fonctionnera du tonnerre de Dieu. J'espère, parce que lui, lui, je sais pas, on dirait que j'ai l'impression de tirer 400 tonnes derrière moi. Bah, vu que c'est vraiment de la tôle, enfin, c'est vraiment du bon acier ce véhicule-là, oui, il doit être très lourd hein, quand même, donc oui, ça, c'est, je pense que c'est normal, mais alors, le capot, voilà... Après moi, beaucoup demandé au moteur, hein. Lui subir beaucoup accélération, décélération, grosse vitesse et tout. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas... Non, j'ai plus de nos stress. Et voilà, tout propre. Ok, super, merci beaucoup. Ah oui, de fait, le véhicule, il a l'air bien lourd. Ouais, rien que le petit démarrage que j'ai fait, ouais, ça pèse son poids ce véhicule, hein, je pense. Oui, oui, je pense que lui est très assez lourd. Faut pas l'avoir sur le pied, hein. Non, non, effectivement. Je pense qu'il y a plus de pied après ça. Oui, oui, oui. Mais donc voilà, c'est tout bon. Parfait, merci beaucoup, Diakouyo. Allez. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, bon courage, à bientôt. Merci vous aussi, bon voyage. Je vais arrêter l'émission, je vais retourner dans le nord à Paléto et... On va couper le son du micro quand même. On va faire le plein là-bas et on va espérer trouver un PNJ pour une petite mission. Je pense que je vais faire encore 3 missions et après j'arrêterai un petit peu le taxi.
J'arrêterai le taxi, enfin j'arrêterai. Je ferai autre chose, hein. Je serai toujours taxi, mais je me baladerai, j'irai faire un petit tour restaurant peut-être, je sais pas, on verra. On va aller on ira voir aussi s'il y a un médecin de dispo. On ira s'acheter de nouveau des petits des petits comment dire. Caché, voilà, je cherchais le mot, donc petit cachet d'anti-stress, hop, on va boire un petit coup, c'est agréable. Bon. Je vais faire le plein. Reste ouais c'est bon. Merci le patron de m'avoir de m'avoir donné un petit peu à manger à boire. Ça fait plaisir. Alors, on va activer. Noble Viaché, monsieur. Alors, je... Oh là, vous voulez aller loin, vous... à 10 km 90... c'est pas en porte d'à côté, hein. Mais ça, bon pour les affaires. Merci beaucoup. C'est où? C'est... Oh, bah, Power Street, ok. C'est... vers centre-ville. Ok.
Allez, on est parti. J'ai cru voir shérif. J'espère que lui pas me prendre en chasse. Pas pour l'air. Je suis pas allé chercher. Je suis pas allé chercher nos stress. Ah putain, j'ai oublié. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je suis un. Il y a un truc qui me déçoit un tout petit peu, mais vraiment c'est très léger, hein. c'est pas grand chose. C'est que les missions, c'est forcément. En tout cas, pour ce que j'ai eu jusqu'à présent, c'est forcément de Sandy Shore vers Los Santos et de Los Santos vers Sandy Shore. Ou à proximité, quoi. Il n'y a jamais vers Paleto. Ça, c'est un petit peu. Décevant, peut-être que ce sera amélioré plus tard. Je ferai remonter ça. Peut-être que ils pourront peut-être faire ça, mais bon, c'est pas urgent, c'est pas trop grave pour l'instant. Vraiment, c'est vraiment rien, c'est juste un petit détail. Je vais peut-être faire comme avaient fait les EMS l'autre jour, c'est-à-dire ils avaient été super loin sur la freeway. Et ils ont fait un mini-tour là, à un endroit, pour reprendre le chemin de terre et après. Et après, on reprenait la route normale, entre guillemets. Alors, on y arrive. Ça passe. Wow, doucement. Bon, ça passe, mais. On mettait plein phare, ça sera peut-être mieux aussi. Oh putain, j'ai. La vache. C'est bon, ça va, j'ai rien. Donc on va reprendre la freeway là.
Alors... Poussez-vous! Laissez passer le taxi là, je suis pressé! Ouais, j'avais oublié que je m'étais dit ouais, on va arrêter de rouler comme un taré. J'ai oublié ce détail. Hein. Vous venir chercher voiture concessionnaire, peut-être. Bon courage. Bonne soirée. Bonsoir madame. Alors, où est-ce que nous allons? Algonquin Boulevard. Ok, 6 km 24. Tac. On est parti. Attachez bien ceinture, hein, parce que projet risque d'être un peu mouvementé. Ah, attendez, j'ai notification à travail. Je dois regarder. Bonjour monsieur Oscar, peut-il m'appeler s'il vous plaît? Ça ne me concerne pas. J'ai cru que la voiture là devant était en train de rouler en contre-sens. Et non. Tout va bien. Tout va très bien. Oh pardon, mais elle se jetait sous mes roues. Eux aussi, ils ont failli faire pas. Je sais pas, les animaux dans le coin sont peut-être un peu suicidaires. Mener une vie pourtant très sympathique dans la nature. Pas besoin de travail. Juste besoin de forniquer de temps en temps, mais sinon ça va. Et manger aussi.
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le trajet de taxi. N'hésitez pas à donner pour boire. Hein. Au revoir, madame. Non, je vais pas vous reprendre. Vous avez été déposé ici, vous restez ici. Du coup, ouais, je vais ramener le taxi là. On va aller faire le plein. Et on va aller se balader après. Hop là. On va aller à l'hôpital aussi après. Hop, 76. Alors, on aurait fait... là, c'était ma 19e mission d'aujourd'hui. J'aurais fait 124 km 82. Là, actuellement, petite prime à 2500, quasiment. C'est cool. Pas tarder. Dès qu'on arrive, il faut que je pense à manger. C'est vrai que je suis pas très loin. Hop là, alors, manger un petit coup, voilà, un petit rougail saucisse, parfait. Ah. Quelqu'un peut venir me chercher à station au taxi et me déposer. Hop là. Regardez si on a... J'ai mis une cigarette tout à l'heure. Ah oui, mais je sais pas... je sais plus si j'avais fait avant ou après les... Ouais, j'ai fait avant les reboot. Donc du coup, ouais. Bon, bah, on saura toujours pas si... si ça reste. Je vais remettre une dernière cigarette ici. Je vais utiliser un paquet de clopes. On va fumer une petite clope. Hop là.
Attends, mais y a personne qui a pris le taxi. Je vais. Tiens, le taxi. Hop. Tant pis pour la clope. On va sortir le taxi. Sortir. Hop. Prendre la mission. On va y aller comme ça, hein. On va faire une petite mission. J'avais pas vu que personne n'avait pris. J'ai l'impression que je suis de nouveau tout seul là sur le taxi. J'adore. Juste passer deux secondes. À l'hôpital. J'ai pas d'argent sur moi. Est-ce que... Est-ce que je peux quand même en acheter? Ouais, c'est bon. Ok, super. Si j'avais un petit peu d'argent, mais bon. Je vais en racheter 5. Tac. Excusez-moi, c'est moi qui vous ai appelé.
Oui, double, monsieur. Que puis-je pour vous? Oui, voilà, tiens, on a eu un petit souci avec un votre camarade. Vous êtes deux en train de tourner là. Monsieur Oscar, en fait, il a fait payer 1 200 $ une course à mon camarade. Donc peut-être faudra expliquer à votre camarade que c'est pas qu'il regarde le montant. Ah, d'accord, je vais regarder vite fait voilà, dans comptabilité ce qu'il a marqué. En fait, bon, il a fait un aller-retour à Fourrières, à Usman's Lab, et il a fait payer 1 200. Ah oui, 17 km 18, il a marqué. Je pense que je vais voir avec. Je vais voir avec si patron est là déjà. Alors. Ah non, patron, lui, je pense être parti en pause. Je vais voir si Oscar est présent toujours. Oui, il est présent, il vient de m'appeler, je vous donne son numéro de téléphone. Si vous ah voulez. Non, c'est... vous inquiétez pas, j'ai le numéro de tout le monde. Oscar, hop. Donc lui venir, c'est ça Non, j'ai demandé en fait qui m'appelle, il m'a appelé, et en fait, mon camarade a eu le même problème que moi. Du coup, il a fait un aller-retour au truc, il a fait payer 1 200. Et j'ai expliqué qu'il ne faut pas qu'il regarde le montant qu'il y a sur l'application. Ah, lui... Ah, d'accord. Ah oui, voilà. Alors, je vais recalculer vite fait, je vous donne la différence. En fait, il y a 600 de trop. Après, c'est pas vraiment le problème de rentrer, c'est pas. Remboursement, oui, mais c'est surtout pour pas qu'il y ait d'autres clients. Voilà, aussi. Oui. Je vais appeler Oscar pour lui demander un détail de comment lui facturer tout en fait, ça. Non, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que mon camarade a parti du Sims Lab et venu au resto, c'est ça. Et du resto, il repartit au Sims Lab, donc il y a 17 km. Ah oui. Je pense que c'est bien ça. Ouais, justement, ouais, sur l'application, c'était bien marqué qu'il y avait 600. Ouais, mais voilà, il faut plus regarder le montant de l'application. Oui, il faut pas regarder application. Application utilisée tarif ancien propriétaire taxi. Nous, pas encore un jour. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il a coulé. Nous, c'est 35 $ par kilomètre. Lui, il vous a facturé. Alors, lui, calculé 17 km 18. Je regarde juste 17,18 fois 35. Ouais, on est à 601 $. Donc, lui, vous facturez combien du coup À moi, 1 200. 1 200. Ah oui. D'accord, déjà il m'avait parlé 1 300, je fais ouais. Et puis après il me fait du coup on arrondit à 1 200. Après je peux pas régler le problème moi-même. Là. Je vais prévenir un patron d'incident. Je vais prendre ces donc numéro à vous, monsieur. Oui, c'est monsieur Frank Volt. Voilà, je partage mon numéro. Ok, super, merci. Je vais envoyer information. Patron, envoyer un contact. En volt, tac, je lui transmets votre numéro pour qu'il puisse vous recontacter et je lui explique la situation. C'est 64-83. Oui, c'est ça, oui, c'est ce qui est indiqué dans contact. Pas de problème. Donc voilà. Bon, moi, comme ça, ouais, que, si ça s'est réglé, parce que c'est vrai que moi, c'était la première fois que je prenais le taxi, donc je savais pas combien c'était, donc du coup. C'est pour le déplacement. Voilà. Je vous ai donné 50 $. Oh, très, très gentil à vous. Merci beaucoup. Bah c'est normal, vous êtes déplacé pour rien, donc c'est normal.
Oui, et puis moi, je... Pas... Enfin, je suis taxi depuis hier soir seulement, donc pas encore habitué de tout, mais... moi, j'ai bien écouté Patron, mais par contre, Oscar, lui, visiblement, pas bien écouté Patron. Bah, il savait même pas, je crois que, je sais pas, on a dû le recruter à la va-vite parce qu'il savait pas faire une facture. Ah oui. Ah, lui jamais payé facture pour bah, argent, enfin pour nourriture, tout ça. Ah bah, je sais pas. Ah déjà ils ont essayé de vouloir que je leur donne des médocs. Je fais non, je donne pas des médocs. Sinon je te vire. Bah ouais, bah j'ai pas envie de perdre mon boulot, moi, de la merde. Hein. Bah tout de suite, bah vous pouvez pas donner quelques... Bah je fais bah non, déjà nous c'est très surveillé, donc non. Alors, 620$. Voilà, j'ai transmis information à Patron, lui voir avec Oscar et avec vous, Monsieur Volt, pour régler l'affaire. Hein. Je sais pas quand Patron sera là, mais voilà, il a toute information, et si besoin d'autres informations, je pense qu'il vous contactera. Ouais, ça marche, y'a pas de soucis. Bah, de toute façon, il va sûrement faire il va vouloir me voir pour faire le remboursement, de toute façon. Bah, oui, bien sûr. Non, moi, c'est gentil d'avoir passé la commission, du coup. C'est gentil. Il y a pas de quoi, c'est normal. Bah, en tout cas, je suis bien content que t'aies trouvé un boulot. Oui. C'était difficile, mais enfin trouver, croiser l'autre jour, Patron au taxi. Ouais. Au bar restaurant hier soir. Du coup, lui me dire que deux places libres. Bah, c'est bien, tant mieux. Moi, t'as, ouais. Ça te fait un petit pécule, c'est cool. Oui. Même si je paye actuellement plus essence pour taxi que salaire me paye essence. Bah, c'est pas l'entreprise, c'est normalement qui doit payer l'essence. Non, en fait, je pense qu'il a des... J'ai eu avance 2000$ pour payer essence, mais c'est vite parti. Ouais, co-citoyen, vous avez pas des trucs de co-citoyen? Si, j'ai... Voilà, j'ai mission course taxi. Ah non, c'est bon. D'accord. J'ai des courses taxi à faire pour les co-citoyens. Voilà. Et eux, pas payer, me payer directement. Eux, payer. Ouais, c'est à l'entreprise, c'est normal. Payer entreprise. Et moi, je. Du coup, faire commission toute la journée. Là, j'ai fait 19 courses pour le taxi aujourd'hui. J'ai fait presque 100 km. C'est pas mal. Enfin, plus de 100 km même. D'accord, 124. Okay. C'est pas mal. Bon. Je vais pas vous embêter, moi je vais vous laisser. Faut que je retourne à l'entreprise, faut que j'aille vérifier d'autres trucs. Si tu veux venir, ou juste si je vais te promener, y'a pas de problème. Ouais, bah de toute façon, j'avais planté des plantes donc je vais aller les récupérer. Ah oui. Ouais. Donc, okay. Ouais. Bon, bah allez. Vous vous y Ouais, les gens sont fous, on dirait russe dans le pays. Ah oui, ça vive les constituants. Toujours bourré vodka et tout ça. Ouais, allez, bon courage à toi. Merci, vous aussi. Et puis allez. Dans les switches. Ah, c'est 3 mètres, c'est pas 5 mètres. Oui, alors ils ont changé. Je crois que c'était 5 mètres portée de la voie. J'ai mal vu. Bon, du coup, on va retourner du coup au taxi.
On va retourner au taxi, comme je disais. Et puis, on va faire un peu de marche à pied. Parce que là, j'ai... Mon moyen de transport, il est... Il est à la fourrière. C'est vrai qu'il faut que je pense à aller la prochaine fois laisser mon véhicule dans le parking public qui est pas loin des taxis. Les cachets anti-stress. Allez, accélère. Ah merde, du coup j'ai perdu le régulateur. Ouais. C'était marrant. Ah mais du coup ouais, entre l'avance de 2000$ qu'on m'a faite et... Ah non, c'est... des PNJ. Et ma prime qui est seulement de 2500$ là... Ok, oui, je voulais peut-être me habiller normal, quoi. Merde. Pouvoir me changer. J'ai eu un doute à un moment, je savais plus si je pouvais me changer la boutique de vêtements qui est ici à Grapside. Mais si c'est bon. Je vais peut-être juste faire une... toute petite pause, vraiment toute légère, le temps d'aller me chercher un petit truc à manger. Dobre vieche, madame. Je viens me changer. Voilà, ah, c'est beaucoup mieux hein, ces vêtements. Ah, c'est bon. Alors, je vais passer par où pour retourner jusqu'ici. Je pense que... Ouais, je pense que prendre le chemin et passer par le tunnel dans la montagne là, ce sera
ça sera le plus court. What if my wife replaces me at my job? That is the greatest. Je vais me chercher un truc à manger. Après. Et le Oscar, il a pas l'air d'être non plus sur le la messagerie groupe, hein, parce que il a pas l'air d'avoir répondu. Alors, allez, 275 $. Wouhou. Mais ouais, je sais pas du tout. Je comprends pas très bien encore leur système, enfin le système de paye. Je vais avoir quoi, 2000 2500, seulement 500 parce qu'il y a les 2000 d'avance. J'ai des frais d'essence apparemment à 199 $68. Je sais pas si du coup c'est pris en charge par la société, du coup ça va m'être remboursé. Aucune idée. Heureusement qu'il n'y a pas de puma de mémoire dans le coin. On va retirer les gants, on va retirer l'écharpe. Hop là. Le vieux de 40 ans là, allez! Allez, cours, cours, cours! Pas le CV! Que je trouve une insulte pour les policiers, et quand je les en ukrainien bien sûr, et quand je les croise je leur dis bonjour, et puis je leur dis insulte, je leur dis bonjour messieurs, et puis insulte en ukrainien. Ça peut être marrant parce que peut-être qu'eux, ils penseront que je dis shérif dans ma langue. Et je vais les faire chier, les shérifs. Oh, ça me fait marrer. Ça les fait marrer aussi. Ah si, il y avait quand même un puma là-bas. Bon, ça va, il était loin. Et... Il va pas m'agresser.
J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un puma là, en blanc. Bientôt y arriver là au croisement là qui permet de passer par le tunnel. Ouais, je pense qu'on y est bientôt. Putain, oh, il m'a fait flipper lui. Oh, j'ai eu si peur. On va pas attaquer, heureusement. Et d'habitude, y a pas de puma dans ce coin-là. Si ? Je sais plus. Au moins, il n'y en avait pas. Ah, voilà. Klaxonne comme ça. Sans aucune raison. Je cours. Je me raccroche à la vie. J'ai une intoxication. Je vais mieux. Parfait. J'ai de la chance. Je vois le bout du tunnel. Je vais y arriver.
Le plus court, est-ce que ce serait pas de... Non. C'est pas de descendre ici. Le plus court vers la mort, oui. Mais le plus court... C'est pas... Ça raccourcit pas, en fait. Il faut que je prenne... Normalement, il y a un chemin, mais je le vois pas. Oh ! Vas-y, toi, là, je vais te découper, là, je vais te... Je vois rien, il fait trop noir la nuit. C'est trop nuit, la noire. Oh putain. D'accord. Ah ouais, je crois que je... Je sais pas si je suis tombé, non, je... Non, j'ai pas l'impression. Je savais pas qu'il y avait envoyé de la sur... en tombé ici. Il y avait une animation là-dessus. Ce bruit. Étrange. Je fasse gaffe parce que là dans ce coin là je crois qu'il y a un puma aussi hein. Alors, je crois qu'il est plutôt de l'autre côté de la route en général. Mais vu qu'il fait si sombre, il arrive, je le vois pas. Hein. D'accord, ok le... ok le serve. Disparaît comme ça. Ah, c'est un joueur ça. Ouais, c'est vu de loin. Hop là, allez, hop, on traverse tranquillement. Allez, on va récupérer enfin notre véhicule depuis... ah, c'est des dynasties, voilà, je me souvenais plus non plus. Hein.
Allez. Ah oui, j'allais dire. Ouais, merci, j'ai pas. Je suis pas en panne d'essence non plus. J'ai pas abusé. Je fais le plein, je vais faire un petit tour aussi juste après. À l'hôpital. Histoire de voir si on peut se choper quelques médicaments gratuitement. Et puis vérifier qu'on est en parfaite santé parce que ce matin j'ai fait deux petites déshydratations. Hop là, voyons voir. Est-ce que médecin est réussi? Ah. Ah oui, beaucoup de médecins. Oh super. La toute dernière page, c'est les soucis ou commentaires lors d'intervention. Je vous demande pas un roman. C'est. Double vieille, monsieur. J'ai eu petite perte de connaissance tout à l'heure, ce matin, et j'ai aussi eu problème, j'étais tombé malade, grosse toux et tout ça. Je crachais poumon. Je viens faire un petit check-up pour voir si tout va bien. Oui, y a pas de soucis, René. Allez-y, je vous invite à enlever votre veste, s'il vous plaît. Voilà. Ah, voyons voir ça. Vous savez ce qui vous est arrivé avec la petite perte de conscience ? Oui, je crois avoir oublié de boire. Je pense que... Je pense que j'ai fait petite... déshydratation, je crois qu'on dit. Ouais, je vais vous retourner, je vais regarder au niveau de votre dos. Est-ce que je peux avoir votre nom et prénom, s'il vous plaît? Victor Kovalenko. Monsieur Kovalenko, vous vouliez pas être recruté au médecin? Où ça? Bah, au PEPS. Ah non, 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 je... Ah, jamais... Non, non, je... veux passer, je pense que... Je peux pas rejoindre service public. Moi, dans mon pays, je vais faire... chose pas très... légale, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Vous pouvez vous rhabiller, monsieur, quand même, tout va très bien. Merci. L'équipe qui s'est occupée de vous s'est bien occupée de vous. Ok, super. Hop là. Mais okay. C'est parfait, je vous invite à me suivre. Je peux vous demander petit service. Est-ce que vous auriez un peu quelques médicaments Alors pour les médicaments, vous pouvez voir directement avec le pharmacien de garde. Normalement, il a encore du stock, j'espère. Oui, oui, mais c'est très cher. Sinon, pour vous dépanner, je peux vous dépanner d'une gélule de chèque. Merci beaucoup. Oui, c'est très gentil. C'est tout ce que je voulais. Moi, juste un de chaque. Vraiment, en cas d'urgence, et si je vois que je...
C'est pas suffisant, je viendrai ici, hein, rassurez-vous, mais voilà, je préfère que vous soyez plus opérationnel pour grosses blessures. Donc, et pas vous occuper de petites toux qui passent de temps en temps. En tout cas, merci, Diakoyo, docteur. Mais il n'y a pas de souci, ça fait aussi partie du métier. Sur les visites de contrôle, même pour les maladies, hein, ça fait partie du boulot, comme on dit. Oui, oui, oui. Oula, quelqu'un peut se sentir bien, je crois, là. Oui, non, on a dû entendre quelque chose. Ah, c'est docteur Lavoie, oui. Non, mais arrêtez avec ça, enfin. On va arrêter d'utiliser les sacs autour d'ici. Allez, bonne hein, soirée, mieux, hein. Bon courage tout le monde. Merci. Sans esclécher. Et puis vous rentrez à l'entrée, juste à droite. Ah oui, non, c'est véhicule là-bas. Je vais perdre mémoire, moi. Qui est idiot qui sait pas se garer là? Je peux pas pousser. Alors, déjà manger fish and chips et boire un coup après. Ouais, je vais reprendre quelques plats. Je vais m'asseoir tranquille. Hop là. Ah. J'attends juste pour voir s'ils viennent pour me voir. Pour voir si j'ai besoin de quelque chose, d'une commande ou quoi que ce soit. Ou pas. Et dans ce cas, je vais aller me chercher un petit truc à manger. Hop. Tac. Bon, ils ont pas l'air de vouloir venir. Du coup... je reviens.
Et re... Hop. On affiche la webcam. Tac. Bon. Regardez vite fait. Tac. Comment. Comment on dit. Poulet. En ukrainien. Peut-être pour une grosse insulte. Pour l'instant, on se concentrera. Kulka. Ya le Kulka ici. Bonjour, monsieur Kulka. Hop là. Je sais pas si c'est étrange de système de pour le job. Je suppose qu'il faut faire un petit peu de quelques missions pour pouvoir avoir une entreprise qui a un petit peu d'argent, quoi. Sinon, je pense qu'on n'est pas payé. Mais bon, je vais me rasseoir. Ouais, donc on n'est pas payé, enfin on n'est pas payé si les caisses de l'entreprise sont vides. Mais ça coûte cher, quoi. J'ai déjà dépensé plus de $2000 rien qu'en frais d'essence. En deux jours, enfin en une journée, on peut dire plutôt en 24 heures. Donc c'est chaud, hein. C'est chaud quand même.
Bernie McCain, donc lui. Ah, mais McCain. Oscar. Ah, Oscar, c'est. Ça doit être du coup son. Ça doit être son frère. Je connais. Enfin, je vois c'est qui Oscar du coup. Je sais pas. Bon. Allô, allô, allô. Ah, d'emblée, vêtu. Oui, c'est moi, je vous attends. Ça vous, du coup? Oui, oui, si vous avez servi quelqu'un autre client, oui, pas de problème. Oui, oui, ça va, oui. D'accord, je vais prendre, voyons voir, j'ai encore deux cocktails de fruits sur moi. Je vais prendre trois rogue ice aussi, c'est... Et... 5 cocktails de fruits. Bon, y'a pas de soucis, je vais vous faire ça tout de suite. Bien, Koyo. Ouais. Un plat de réserve. Pardon ? T'as pas un petit plat de réserve ? Si, si, tiens. Hop. Tu te faut quoi ? Boisson ou nourriture ? Non, à manger. Un petit plat. Attends. Hop. Tiens. Hop. Tiens, voilà. Super. Merci. Comme ça, t'es tranquille. En attendant ton plat. Hein. Merci. Hein. Ma petite facture pour un montant de $650. Alors, tac. Ça va. Hop. Voilà pour vous, monsieur. Et voilà, c'est payé. Je vais envoyer la facture. Ça ne dérange pas, on va aller juste un tout. Tac. Alors. Et voilà. Ok, facture payée à l'instant. Facture payée, Diakoyo. Ah ouais, bah c'est tout bon du coup. Tac. Eh ben, bah, merci encore et bonne soirée. Hein. Bonne soirée aussi. Au revoir. Bon, va, oui.
Tu passes ta vie au resto, mordure. Pas du tout. j'étais passé tout à l'heure. Mais bon, là, j'ai fait une petite pause vite fait. Pour aller me chercher moi-même à manger pour moi IRL. Je me suis pris un petit truc à bouffer. J'ai bouffé 30 secondes. Et puis voilà. J'avais fait une petite pause dans le. Entre guillemets, dans le stream. Et ouais. Je vais peut-être m'arrêter là. 17h, ouais, je pense que je vais arrêter le stream là, et puis on reprendra peut-être ce soir. Faudra que j'essaie de prendre contact avec quelqu'un, ce serait cool. J'aimerais bien commencer la crimi, mais c'est chiant. J'arrive pas. Je sais pas trop comment engager la conversation avec. Avec les membres de gang là. Surtout que en tant que taxi, voilà, je vais pas forcément avoir à faire beaucoup à eux. Donc ouais, je vais juste hop, c'est ma clope, on va sortir le véhicule, enfin reprendre le véhicule juste pour le ranger. Ouais, non, je vais le ranger sur le parking public hier en ville. On va s'attacher quand même. Et on va s'arrêter ici. Tac. Ok. Bon, allez, hop. Je m'arrête là. Je sais pas si je stream ce soir. Ça va dépendre. Attendez-vous peut-être un stream en catastrophe. On va dire. Peut-être pas préparé tout ça. Il y aura peut-être pas de cam et tout ça. Je sais pas. On verra, je sais pas si je joue ce soir ou quoi. Ça va vraiment dépendre si j'ai enfin la réponse à mon message que j'avais envoyé l'autre jour à Alice Sokpata là. Et du coup, ouais, j'espère qu'il va enfin me répondre. M'envoyer un petit message, ce serait vraiment cool. Et puis bon bah si y a pas si je commence pas de crimi, y aura pas de stream. Donc voilà. Donc je vous remercie encore toutes et tous d'être venus, d'être passés sur ce stream. Je vous envoie chez qui stream Yarnock, je l'ai arrêté il y a 3 jours. Qui c'est qui stream sur ouais, je peux peut-être vous envoyer chez Poco. Non. Disco Devly. Tiens, je vais vous envoyer. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas raid. Je vous envoie chez Disco Devly. Faites-lui un coucou de ma part. Parce que moi, je vais pas aller sur sa chaîne. Je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à la prochaine, peut-être à ce soir, sinon demain on fera un petit stream l'après-midi tranquille je pense. Allez, des bisous, ciao.